Bonsoir à tous les amis. Je suis en train d'enregistrer, c'est impeccable. Voilà, j'ai. J'ai enlevé les tickets pour gagner du temps. 25 tickets. 25 étiquettes. Mais le problème, des fois, ça colle sur les boîtes et vraiment, c'est un peu chiant. Je me rappelle pas si j'ai dit bonjour. Je suis parti en Belgique aujourd'hui. Je suis parti, j'étais accompagné. Ouais, c'est bien. J'étais avec mon cousin, mais le problème, c'est que en entrant dans sa voiture, j'avais tout le temps mal à la tête. J'avais une putain de migraine. Mais voilà quoi. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Pas trop le moral. Ça va, j'ai fait le pas pour aller à la douche. Je vous assure que des fois, j'ai tellement de moral à rien que je me laisse aller. Voilà. Bon, je vais commencer. Dans ce vidéo, Mandelo, je vous préviens, j'ai des doublons. Et des fois, les films que j'ai en double, eh ben, ça sera gagné. Attention, des gens qui sont de mon secteur. Par exemple, quelqu'un qui habite à Paris ou qui habite à Marseille, je ne pourrais pas. Voilà. Mais je ne pourrais le faire que de temps en temps, pas tout le temps. Je ne vais pas épuiser toute ma connexion, même si c'est des doublons. Voilà quoi. C'est juste de temps en temps je ferai ça. Voilà quoi. J'avais commencé un quiz hier. Bon, on n'était pas assez nombreux, mais sachez qu'à partir de bientôt, je vais essayer de mettre en place des quiz, c'est-à-dire des questions. Et quelqu'un, quand il répondra à une bonne question, ben, il gagnera un DVD. Voilà. Je ne vais pas dire deux ou trois par question, parce que ça fait beaucoup. Voilà. Je trouve un DVD par question, je trouve que c'est raisonnable. Des questions sur le cinéma, par exemple, etc. Peut-être que moi aussi, je ferai un truc en direct, en live, avec les gens, avec mes abonnés. Alors, j'ai plus de 100 abonnés. Je suis le plus grand youtubeur du monde. J'ai dépassé tout le monde. Putain, j'ai dépassé tout le monde avec 100 abonnés. 125 à 26 abonnés, j'ai dépassé tout le monde. Je suis le plus grand youtubeur du monde et c'est moi qui ai le plus d'abonnés au monde. Bien évidemment, je suis en train de faire de l'humour pour vous faire comprendre qu'en un an, je n'ai pas fait ce que j'ai fait en 5 mois dans ma première chaîne. Voilà. Sans vouloir me vanter. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, les problèmes de regarder. Quand je fais une vidéo, je commence à taper dans la. Dans les tuyaux, ce connard. Problème de la vie. Problème de la vie quotidienne. Alors ça, c'est fait pour me chauffer en pleine vidéo. Eh bien, ils font que des fois, on se les. J'ai même pas fait ma barbe, j'ai même pas fait mes cheveux. Alors que toutes les semaines, je me taille la barbe, un bec, je me coupe les cheveux tout seul. En même temps, c'est l'âge. J'espère avoir peut-être un jour à ne plus couper mes cheveux tout seul. Et avant, j'avais mon coiffeur à domicile. J'habitais pas ici, j'habitais chez mes parents. Il me coupait les cheveux pour 4 euros. Il venait toutes les semaines. 4 euros, c'est un prix imbattable. Là, maintenant, même s'il aurait augmenté ses prix, qui est prêt
à venir pour me recouper les cheveux, ben, il n'y a pas de problème. Je lui donnerai quelque chose. Peut-être pas 10 balles, mais hop, peut-être que ça les mérite à domicile. Hein, parce que ça coûte 12 euros au coiffeur. Ils ont augmenté leur prix. Voilà. J'ai fini la parenthèse. Je vais passer au film que j'ai acheté. Il y a des films que... Il y a un film que j'ai acheté en Blu-ray, en DVD, et que j'ai en Blu-ray. C'est Demolition Man avec Wesley Snipes et Stallone. Voilà, c'est les premiers Warner, les célèbres boîtiers en carton d'il y a 20 ans. Hein. Les célèbres boîtiers cartonnés. Je ne sais pas si je l'ai en boîtier normal ou pas. Je ne crois pas. En plus, c'est une édition belge. Tout y est écrit en belge. Mais nous avons une piste française en 5.1. Franz. Voilà, Franz. Au lieu de c'est French, c'est Franz. Voilà. Voilà. Très bon film qui a vraiment. Qui a été un film en quelque sorte. C'est un film qui a été prophétique. Pas dans le sens prophète, mais dans le sens où il a révélé des choses avant qu'il se passe. Dans ce film-là, on parle de Schwarzenegger gouverneur. C'est en 1993 et en 2003, 2002, 2003, il devient gouverneur. C'est un film qui a deviné les choses avant qu'il se passe. Après, il y a encore quelque chose d'autre. Mais la société dans laquelle on vit ressemble à ce film. Voilà. Très très bon film. Même topo, jaquette en belge, mais avec piste française en 5.1. Tonnerre de feu. Très très bon film. On a même Daniel Stern qui joue dedans. Hein? C'est l'un des protagonistes qui avait joué dans Maman, j'ai raté l'avion. L'un des deux méchants. Voilà. C'est pas Joe Pesci, c'est le grand avec les cheveux bouclés. Il a joué dans un film de science-fiction, merde, Léviathan. Léviathan avec Peter Weller, etc. Voilà. Iron Flux. Si je ne me trompe pas, il n'existe pas en France celui-là, en Blu-ray. Il existe un import en québécois. Iron Flux. Charlize Theron en héroïne. Iron Flux. Je me rappelle une fille de ma classe au lycée, elle l'avait ramené ce film-là. C'était à la fin de l'année. Charlize Theron, elle était à son apogée à cette époque-là. Là, c'est l'émission, c'est l'édition belge de chez Universal, voilà. Voilà. Nicolas Cage. Capitaine Connelly, qui est un film de guerre sur fond de romance, je présume. Faudrait que je le regarde. Faudrait que je le regarde. Chevalier du ciel, Cornillac, Magimel, film français, hein. Mais voilà. J'aime bien Cornillac, c'est un bon acteur. Les Chevaliers du ciel. Neverland. Là, c'est une édition belge avec piste VF. Hein. Mais la question est que j'espère que c'est du 16e, pas du 4 tiers. Voilà. 10 Warrant. Je suis content de l'avoir, même si c'est en DVD. J'ai une copie en HD dans mon disque dur. J'avais le Blu-ray, mais le Blu-ray Hollywood classique défectueux. J'avais une bulle dans le Blu-ray. Voilà. Ça, c'est un classique de Van Damme. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que l'édition belge possède
deux pistes de son, français et anglais en 5.1, avec les sous-titres néerlandais. Et là, dans cette édition-là que j'avais prêtée, mais voilà, maintenant ils peuvent le garder, je l'ai retrouvé. L'édition métropolitaine possède un doublage en DTS 5.1 en français, en plus du doublage de multilangue en Dolby 5.1. Alors, on a en plus la piste française en DTS 5.1. Voilà pourquoi je l'ai racheté. Contrairement à d'autres versions qui possèdent seulement le Dolby Digital. Et en plus, il n'y a pas de sous-titres français. Échec et mort, Hard to Kill. Voilà. Celui-là, je l'ai en coffret Blu-ray import. Et j'avais prêté mon Blu-ray simple. Voilà l'édition française. Il faut savoir que l'édition française, elle est très dure à trouver en Blu-ray. Voilà, moi j'ai l'import, mais il est marqué Hard to Kill. Il n'est pas marqué Échec et mort, quoi. C'est écrit en anglais, quoi. Voilà. Là, c'est une édition belge en DVD avec VF. Et si je me trompe pas, je dois l'avoir aussi en duo avec un autre film. Je crois que c'est Menace Toxique. Je dois l'avoir en boîtier Slim Warner, là. Voilà. Ils nous ont mis l'image de Justice Sauvage. Ça, c'est pas dans Échec et mort, c'est dans Justice Sauvage. Voilà. Bruce Malmutte, j'ai oublié, il nous a fait quoi, lui? Je crois qu'il nous a fait un film avec Dolph Lundgren, Pantathlon. Voilà, c'est lui. Voilà. Piste française avec VF. Piste édition belge. La jaquette, elle est en belge, mais bon. Il y a une face 4 tiers, il y a une face 16 neuvième. Lock-up. Bon, celui-là, je l'ai déjà. Je l'ai même en Blu-ray Universal. Avant que le Blu-ray Studio Canal sorte. Hein. Lock-up. Bon, je ne vous le présente pas. Haute sécurité. Un classique de Stallone. Hein. Tom Sizemore, Stallone. Donald Sutherland. Sonny Landham qui avait joué dans Predator. Que du bon casting. Haute sécurité. C'est qui? Ah merde! La boîte elle est pétée et ça fait tomber le CD. Merde! John Flynn, le réalisateur de Justice Sauvage. Avec un chien. Bingo, j'ai pas vu ce film-là. Une comédie dispoilante. Voilà, avec un chien. Voilà. J'ai un autre film avec un chien qui s'appelle Spot. Je n'ai pas regardé. Le plus cool des chiens savants. Voilà. Bon, il faudra que je le nettoie. Après, vous savez, quand vous achetez de l'occasion, des fois, vous attendez à voir des films qui sont pas tout neufs. Hein. Mairie remonte 1980, 2084. Mairie remonte dans le temps pour sauver la race humaine. À l'intérieur au Japon, et croise le chemin de Miyamoto, mercenaire, solitaire et désabusé. Ensemble, ils vont tenter de changer le cours de l'histoire. Ils n'ont que 72 heures. On va voir c'est quoi ce truc-là. Master haute définition. En 2004, on disait déjà ce terme-là. Je les ai achetés parce qu'ils sont en boîtier normal. Ils ne sont pas en boîtier cartonné comme Demolition Man. Il s'agit des deux armes fatales. Je les avais achetés là-bas. Je les avais payés 2 euros pièce hein, quand même là-bas. À l'homme, ils sont tout neufs. Et là, je suis prêt à offrir les deux directeurs cuts de l'arme fatale qui sont pas si faciles à trouver. Et ben voilà, ça fera partie du quiz. Je les emboîte, j'ai cartonné, ça m'intéresse plus. Donc voilà.
Les deux premiers plus le 4. Le 3, je ne l'ai pas, le 3. Le 3, je ne l'ai pas. Ou peut-être le 4, je vais le garder. Alors, je vais le garder, le 4. En tout cas, ceux-là, je les ai en doublant. Voilà. En plus, c'est les Director Cut. Spy Kids et Spy Kids 3D. Voilà. Moi, je rachète encore les DVD. C'est encore exploitable dans ma télé, quoi. C'est pour ça que j'ai pas envie d'acheter de télé 4K. Comme mon ami Rav Blu-ray, il a dit que dans une télé 4K, les DVD, la qualité, c'est de la merde. Ben alors, je préfère regarder des DVD encore sur cette télé. Voilà. Moi, j'achète encore, et ça coûte pas cher et c'est encore aussi bien à regarder. Voilà. Spy Kids 3D. Je sais pas s'il il manque le 2 peut-être. Hein. Mais bon, jamais regardé Spy Kids. On verra ce que ça va donner. Ça, c'est un film un peu spécial là, avec Vanessa Paradis. Mais le problème, c'est que c'est du format 1,33, 4 tiers. Et ça me fait chier. Et en plus, le fourreau, il n'est même plus là. Il devait avoir un fourreau, c'est sûr et certain, avec l'histoire du film. Là, il n'y a pas de fourreau, quoi. Noce blanche avec Vanessa Paradis, Bruno Crémet. Il avait joué dans L'Alpagueur avec Belmondo. Et surtout, il avait joué dans le film, dans la série Maigret. Voilà. C'est un mec qui se tape une femme qui a 20 ans, 20 ans de moins que lui. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Voilà. Le corps et le fouet, Christopher Lee. Dalila, Lani, La vie. Voilà. Moi, je collectionne les films comme ça, Mad Movies. Voilà. J'avais déjà un autre film à Christopher Lee, je me rappelle plus c'est quoi. En 1963, quand même. Celui-là, je ne sais pas en combien de fois, en combien d'exemplaires j'ai. J'ai l'édition belge, j'ai l'édition Blu-ray, j'ai l'édition française en DVD. Et j'ai la version Director Cut en DVD. Je l'ai au moins en 4 fois ce film-là. Les ailes de l'enfer. Voilà. C'est un film indémodable. C'est l'un des meilleurs films de Nicolas Cage. Et la meilleure réalisation de Simon West. Simon West qui nous a fait Tomb Raider. Vraiment, là, avec ce film-là, je trouve qu'il signe le meilleur de ses films. Après, le Flingueur, c'est pas terrible. Voilà quoi. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Simon West. Et c'est peut-être même le meilleur film de Nicolas Cage. Voilà. Parce que moi, je l'ai découvert la première fois avec ce film-là. Voilà. Et quand on regarde Living Las Vegas qui est sorti un an avant, parce que celui-là, sorti française en 97, sorti américaine en 96. Et quand on regarde la comparaison avec Nicolas Cage, dans l'un de ses films, c'est un alcoolique défoncé. Et quand vous regardez là, dans ce film-là, c'est un héros. C'est un héros qui a sauvé sa femme, qui est parti en prison, en légitime défense. Il est parti en prison pour avoir sauvé sa femme de la merde, quoi. Voilà. Un indémodable de Nicolas Cage. Je vous conseille aussi de regarder la Director Cut qui est très intéressante à regarder. The Gate of Hell. Film d'horreur sous blister. Je vais même pas le regarder. Moi, c'est pas mon truc, le film d'horreur. Hein?
1h21, les acteurs ne sont même pas connus. Le film qui a terrorisé les spectateurs lors de sa sortie en salle en Australie. Voilà. Ça, c'est le cinéma d'horreur, c'est vraiment pas mon genre. Mais bon. Là, on vous dit édition de DVD, il n'y en a qu'un. Le mec a dû soit prendre le film, ou soit ils se sont trompés, parce que dans le descriptif, ici, je ne vois pas marqué de DVD. Alors, ils ont dû se tromper. Open Range. J'ai l'édition Pathé, si je ne me trompe pas. L'édition DVD Pathé. Ben voilà, peut-être que voilà, il y a un peu griffé, mais bon, c'est pas méchant. Hein. Peut-être que celui-là, bon, comme je l'ai en doublant, je vais le donner. Ça aussi, je l'ai en Blu-ray. Rencontre du troisième type. Avec Richard Dreyfuss, il y a plein d'acteurs dedans, François Truffaut, etc. Les années 70. Le carton. Voilà, je sais pas, ils se sont gratté le cul avec le DVD, quoi. Heureusement que je l'ai en double. Je vais foutre mon édition. L'autre édition qui est en bon état, je vais le foutre ici. Et curieusement, les bonus, il est tout neuf. Parce que les bonus, personne regarde les bonus, quoi. Voilà. Après, je vais changer le disque. Celui-là, je vais le foutre à la poubelle. Voilà. Le carton. Rumpelstiltskin, le voleur d'âme. Oh, les acteurs inconnus. Et pour finir, Elysium. Ça, c'est vraiment le film dans lequel on va se projeter dans les prochaines années. Moi, je vous le dis, tout ce qui se passe, eh ben, il est inspiré des films. Le livre d'Elie, Elysium, Walter World, peut-être. Voilà. Le monde part en couille depuis 2 ans. Il n'y a pas d'échappatoire. Rien du tout. Voilà. J'en ai fini, les amis. Vingt-cinq minutes, bordel. Salut à tous, les amis. Salut à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, j'ai regardé une vidéo de Léo tout à l'heure. Hein. Et vraiment, vraiment, c'est pas pour. J'en ai rien à foutre. Elle fait pas d'émission avec moi. Elle fait rien du tout. Mais. Juste que je la trouve jolie. Et voilà, ça prouve que il n'y a pas que les femmes, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas que les femmes aux yeux bleus et aux yeux verts qui sont belles. Même des filles avec des yeux marrons, eh ben, elles peuvent être jolies. Voilà. Mais vraiment, je vais vous dire la vérité, elle fait même pas son âge. Elle fait même pas son âge. Voilà. Salut à tous les amis. Merci de m'avoir suivi. Et à la prochaine, les vidéos man, en ce moment, je ne vais pas en faire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on arrive en hiver. Et en hiver, je reste cloîtré chez moi la plupart du temps. Voilà. Salut à tous les amis. Salut à tous. Merci de m'avoir suivi. Salut à tous.